3 novembre 2021, président République là, Jovenel Moïse, accompagné ak première dame là, Martine Moïse, ak cabinet inauguré nouveau bâtiment Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là. I want to thank the American.
Je veux remercier le peuple américain pour leur appui. Des millions de gens ont voté pour nous. Et un groupe triste de personnes essaie de discréditer ces gens. Et nous ne laisserons pas faire ça. Je veux remercier la première dame et toute ma famille. La vice-présidente, Madame Pence. Et nous étions prêts pour une grande célébration. On était en train de tout gagner et tout à coup il a fallu annuler. Les résultats ce soir sont phénoménaux. Et nous nous préparons. Écoutez, nous étions prêts à aller célébrer quelque chose de très beau. Un tel vote, un tel succès, les citoyens de ce pays sont allés voter à un taux sans précédent. Alors, nous avons gagné des États qu'on ne pensait pas gagner, la Floride. Nous avons gagné par une vaste marge. Nous avons gagné le grand état de l'Ohio. Nous avons gagné le Texas. Nous avons gagné le Texas par 700 000 voix. Et on n'a pas compté ça dans le total. Et c'est clair que nous avons gagné la Géorgie. Nous sommes en avance par 2,5%, plus de 117 000 voix. Avec, bon, nous ne pourrons jamais nous rattraper avec les quelques pourcentages qui restent. De même, nous avons remporté la Caroline du Nord. On avait un vote. Et donc, c'est trois États. Et vous pensez à tous les autres? Écoutez, on a eu une nuit extraordinaire. Vous voyez à tous les États que nous avons remportés et regardez les marges. C'est pas comme si on était avec 12 voix d'avance et qu'il restait 60% des voix à dépouiller. Nous avons remporté tous ces États. Et là, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui arrive là? C'est arrêté? Et vous avez ces annonceurs qui disent. Vous voyez ce qui est arrivé? Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Alors ils ont dit, allons devant les tribunaux. Est-ce que j'avais annoncé ça ou non? Le jour où j'ai annoncé qu'il y aurait des dizaines de millions de votes, alors si ils ne remportent pas, ils vont aller devant les tribunaux. La Floride, c'est une victoire extraordinaire. Le Texas, comme on l'a dit, l'Ohio. Écoutez, l'Ohio, un grand État que j'aime beaucoup, et 8,1% de majorité, 500 000 voix pratiquement. La Caroline du Nord, une grande victoire en Caroline du Nord. Donc on a remporté là, on est mené par 60. Pensez-y bien. Voilà. 600 900 voix d'avance. Écoutez, ce n'est même pas proche. Avec 64% des voix qui ont été dépouillées, c'est presque impossible à rattraper cela. Et on arrive dans des régions de la Pennsylvanie où ils sont d'accord avec le président. Non, alors nous allons probablement accroître notre avance. Nous gagnons le Michigan. Écoutez, j'ai regardé les chiffres. C'est beaucoup. 300 000 voix. Et 65% du vote a été dépouillé. Et nous gagnons le Wisconsin. Écoutez, on n'a pas besoin de tout ça.
Parce que si vous gagnez le Texas, et je parlais au merveilleux gouverneur du Texas, Greg Abbott, il m'a appelé pour me féliciter pour avoir gagné le Texas. Bon, ils n'ont peut-être pas fini le compte complet, mais c'était presque terminé. Il m'a appelé pour me féliciter. Il m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je dis, non, personne d'ailleurs. Donc, nous avons...